Salut, salut tout le monde! Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour donc l'un des duos opaques, voilà, de voltage éclatant. Voilà, donc j'ai réussi à trouver les deux hier au magasin. Donc du coup, on va commencer par mon préféré. Et vu que ça, je pense que ça va aller assez vite, excusez-moi, vu que je pense que ça va aller assez vite, et bah du coup je vous montrerai ma collection de tops Pokémon. Voilà, une petite collection que j'ai faite. Ça me rappelle mon enfance parce que j'en avais plein. J'avais sûrement, je me rappelle, il me semble, la série complète, mais voilà. C'est comme beaucoup, c'est parti dans les machines à laver, à la poubelle, où ça a été donné. Voilà, bon, c'est comme ça quoi. C'était quand on était petit. Du coup, je vais vous mettre l'intro. Hein. Et puis on se dit à tout de suite. Et voilà, allez, ça y est, on est parti pour déceler. Donc comme j'ai dit, on commence avec l'Arméléon. Voilà. Alors le petit code, je le garde pour moi. Le petit jeton, je crois qu'on l'a déjà eu. Voilà, je vous le montre. Mais il me semble qu'on l'a déjà eu. Ça me paraît. Voilà, peut-être en autre couleur, mais il me semble qu'on l'a déjà eu. Du coup, j'ai. Ah, ok. J'étais en train de chercher, du coup. Là, j'ai bougé mon fond. J'ai oublié. Voilà, donc le petit l'Arméléon. Qui est du coup la SWSH073. Voilà. Vous voyez. Alors, je n'ai pas cherché encore s'il y avait un Spirou dessus, dans le sens où c'est. Bah, là, ah, il y en a une derrière. Juste derrière lui, il y a un début de Spirou. C'est la nana, en fait, qui me l'a ramené quand j'ai été faire les courses. J'ai demandé, voilà, est-ce qu'ils avaient du coup du voltage éclatant. Et elle m'a dit oui, et du coup, elle m'a ramené ça. Donc, voilà. Donc je n'ai pas pu les choisir. Donc du coup bah on va faire dans l'ordre là. Voilà, je trouve que c'est pas mal l'ordre là. Donc allez, on commence avec Pikachu. Alors au niveau de la vidéo, vous voyez que je suis un petit peu plus près. J'ai essayé un truc, mais je ne sais pas si ça ira. Bon bah du coup le code je vais m'en servir avant, je vais essayer de m'en servir avant. Donc 4, 2 et 1. Normalement c'est toujours le même ordre. On va voir ce que ça donne. Alors une petite énergie eau. Ensuite on a un petit aspicot, il revient encore. Hein. Welmer. Du coup on a Mascaïman. Riolu. On a Grindur. Terrasclope. Par contre, voilà. Je me mets là, ce que j'ai fait là. Noacier, pardon. Chevroom. On a Nigosier en reverse, qui est une Unko en reverse. Et derrière, on a quoi? Un petit Dardanian. Voilà. Donc, pour le premier booster, pas grand-chose. Ensuite, on va ouvrir ce petit booster-là. Hein. Oh, les codes, ils les ont remis à l'envers de nouveau. 4, 2, 1. Là, je suis pas content du coup, parce que ça me saoule. Du coup, une petite énergie plante. Mediena. On a Thiboudet. Pomme de pique. Dynavolt. Skelenox. Fromage Meumeux. On a Coconfort. On a Métang. En reverse, on a Lamperoi, qui est encore une. Un co-reverse et derrière on a un petit Pyroli. Voilà, Jonathan, si tu vas voir la vidéo, bah, du coup j'ai chopé Pyroli moi. Hier tu n'as pas vu, excusez-moi, tu n'as pas eu d'évolution et moi voilà. Deuxième booster, j'en ai déjà une. Bon après on va la voir souvent. Hein. Là c'est vraiment parce que tout le monde commence à ouvrir. Hein. Donc voilà quoi. Bon, cette fois-ci je me fais pas avoir avec le code. C'est surtout que pour le moment, ils vont être sur Code Catcher pas mal cher, on va dire. Donc, c'est le moment où je peux récupérer un peu de sous. Donc, je peux pas tout vous donner les codes à chaque fois. Donc, voilà. Alors, une petite énergie foudre, du coup. Ensuite, statique, statitique, pardon. Pijako. On a Salamèche.
Médina, Thiboudet, Mateloutre, pardon, Faïza, on a Sally, on a Miamiasme en reverse, et derrière on a Flambusard, une petite V, voilà, au moins une petite V. Donc je suis quand même content de ma petite ouverture de tripack. Alors prochainement, après mercredi où j'ouvrirai le deuxième tripack, normalement je devrais recevoir normalement mes kits d'AP et le display et le TB. Donc voilà, il y aura de l'ouverture. C'était vraiment là, j'étais un peu coincé, désolé les amis, mais avec la nouvelle extension, hein, j'attendais qu'elle arrive, hein, donc comme tout le monde. Et voilà, je devais normalement déjà vous faire une vidéo ce week-end, donc pour hier par rapport à du coup au pré-release, mais avec le confinement, ça a été annulé. Du coup, on devrait recevoir les kits chez nous. Et du coup, voilà. Du coup, c'est un peu le bordel. Du coup, je vais juste vous montrer vite fait ma petite collection de tops. Voilà. Alors ça, du coup, c'était un petit poster à l'époque. Donc, c'est un poster de tops, en fait. Hein. C'est, si vous voulez, en fait, voilà. C'est à chaque fois, ça s'appelle des TV. TV, hein, voilà. Et si vous voulez, à chaque fois, voilà, c'est les personnages principaux, on va dire, de Pokémon 1, voilà, des tout premiers Pokémon. Et c'était des scènes reprises dans les dessins animés. Et du coup, ils en avaient fait de l'autre côté un petit poster, comme vous voyez, voilà, comme vous avez vu juste avant. Et là, voilà, ça c'est ma collection. Alors, Jonathan, pardon. Sam et puis un autre des groupes Pokémon m'ont beaucoup aidé à avancer dans cette collection. C'est même Sam, on va dire, qui m'a un peu, on va dire, poussé à l'achat, hein, pour cette petite collection de tops. Donc voilà, donc ça va être encore une fois un peu dur de vous montrer tout exactement, mais voilà. Parce que vous ne verrez pas toutes les cartes à chaque fois. Je vais essayer de mettre, voilà, comme ça. Donc voilà, il m'en manque quelques-unes que j'essaye d'avoir là. Donc à chaque fois, elles sont toutes en très très bon état, pratiquement. Il y en a une ou deux qui sont un petit peu moins bon état, mais autrement, elles sont toutes pratiquement à la limite du neuf, quoi. Voilà, ça fait plaisir quand vous voyez deux pages remplies comme ça, qui sont nickel avec toutes les cartes. C'est voilà, ça c'est franchement c'est très beau, quoi. C'est voilà, ça me waouh, ça me rappelle mon enfance et tout. Bon là, il y a des trous, hein, bien sûr, parce que j'ai pas encore tout. Mais voilà, c'était pour vous faire découvrir un peu les tops pour ceux qui ne connaissent pas, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît. Et du coup, voilà. Donc du coup, si jamais certaines personnes vous avez dès qu'il manque, pareil, hein, comme d'hab, on passe en MP, ou alors en com. Et puis après, on voit ça pour essayer de voir l'échange, etc. quoi. Voilà, petit Mew, Draco, les légendaires, voilà. Voilà. Et après, le reste, en fait, c'est ma collection. Donc là, vous avez encore des TV. Donc, il m'en manque plus qu'une des TV. Il me manque la 3. C'est TV d'Ondine, en fait. Et du coup, j'aurai toutes les TV. Et en fait, là, après, c'est ma collection. Tout ce qui est, on va dire, avant XY Evolution. Voilà. Il y a vraiment un peu de tout dedans. Mais c'est vrai, il y a même des McDo, là, vous voyez des McDo. Du coup, c'est vraiment, voilà, de tout. Je mets comme ça parce que j'ai pas. J'avais, à un moment, j'avais plus assez de pochettes. J'avais voulu commencer à faire le rangement. Mais dans le sens où, si vous voulez, c'est pas ce qui me tient le plus, comme je vous le dis à chaque fois. Hein, c'est vraiment depuis épée et bouclier que je collectionne. Et je vous montre en fait en dernier, si vous voulez, c'est ma petite collection de sleeves en fait. Voilà, j'ai commencé une collection de sleeves. Si vous voulez, encore une amie du coup qui m'a en fait un peu fait rentrer là-dedans. Donc elle se reconnaîtra, Audrey. Et du coup, voilà, on a commencé à collectionner les sleeves. Et voilà, il y en a pas mal du tout, quoi. Donc là, c'est tout ce qui est Pikachu à chaque fois. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai rangé à chaque fois par, on va dire, par sorte de sleeve, on va dire. Ça comme ça. Donc là, c'est Pikachu à chaque fois en image à peu près centrale, mais avec d'autres Pokémon en fait. Voilà, il n'est plus tout seul. Donc là, on a Pikachu et Evo à chaque fois. Là, en haut, c'est encore une Pikachu un peu tout le monde. Et là, c'est les évolutions. Voilà, j'en ai pas mal.
Là, il y en a encore une fois pas mal. Donc voilà. Après, là, on entre sur tout ce qui est starter. Donc, starter de toutes les séries, hein. Là, je me suis amusé à mettre vraiment le starter de toutes les séries mélangées. Ensuite, donc à chaque fois, les starters, mais par, comment dire, par type, en fait. Donc, vous avez le type eau, le type plante et le type feu. Donc, avec les dracs au feu, tout ça, Florbino, tout ça. Et du coup, bah, après, bah, là, c'est pareil. Donc, ça, c'est en général les personnages dans Pokémon. Après, là, vous avez un peu tout ce qui est sorti sur les ETB en général. Hein. Et voilà. Après, vous avez un peu de trucs un peu divers, variés. Et en tout dernier, bah, vous avez des belles images avec Lucario, Rayquaza, tout ça. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer un peu une autre petite partie de ma collection pour que la vidéo dure un peu plus longtemps. Pour vous rappeler, voilà, on a ouvert le TB, le display, le... Oh, et j'arrive pas. C'est pas le TB, c'est pas le display, excusez-moi, c'est le tri-pack. Donc de l'Arméléon, voilà, de Voltage Éclatant. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu quand même, malgré les petits changements que j'essaie de faire en fait. Et voilà. Donc toujours comme d'hab, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. N'oubliez pas non plus, quand vous êtes abonné, de mettre la petite cloche. Comme ça, dès que je poste une vidéo, ben, vous verrez la vidéo en fait. Donc comme ça, voilà, par rapport aux 117, 118 abonnés que j'ai. Bah, j'aurai, on va dire, peut-être pas tout à fait le même nombre de vues, mais au minimum le nombre de vues là. Donc voilà. Allez, sur ce, du coup, je vous laisse. On se retrouve mercredi, du coup, ça sera avec le tri-pack de Aquali. Voilà, je vous le montre déjà. Et avec une petite suite de ma collection de cartes Pokémon. Allez, ciao, ciao!